d'autres choses sur à quoi on peut s'attendre dans le budget? Est-ce qu'il y a des coupures qui s'en viennent pour éviter trop de hausses de taxes pour les citoyens? Écoutez, comme chaque année, tout ce que je peux vous dire, c'est que comme chaque année, on est en train de retourner toutes les pierres. On sait que dès qu'arrive l'automne, c'est la saison des budgets, c'est le mal de tête. Ça fait 2 ans, presque 3 maintenant, que je vous le dis, que le modèle actuel qui est basé sur la taxe foncière, il est archaïque. Alors, on a toujours des exercices d'équilibre à faire. Mais je pense que ce qui est important que la population comprenne, c'est qu'on fait cet exercice-là en ayant à cœur leur capacité de payer, en ayant à cœur leurs intérêts. Mais en même temps, il y a des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Nos contrats, vous l'avez vu, de déneigement ont presque doublé. Nos contrats de ramassage des ordures font face à une inflation importante. Donc, il faut vraiment qu'on puisse trouver ce juste équilibre-là. Oui. On va en poser d'autres. Pardon? En fait, par rapport à vous parler, là, oui, un équilibre entre tout ça. Mais la mairesse ne voulait pas s'engager en mentionnant la taxe va dépasser l'inflation. Est-ce que vous engagez à ce que la taxe ne dépasse pas l'inflation? Écoutez, la mairesse a raison d'être prudente. Mais moi, je peux vous dire que les derniers chiffres d'inflation constatés que j'ai vus sont, je pense que le dernier chiffre sorti par Statistique Canada était 5,2 à la hausse, et je peux garantir aux Montréalais qu'on s'en va pas là. Est-ce qu'il va y avoir des coupes? Est-ce qu'il peut y avoir des coupes dans les services pour arriver à ne pas dépasser 5,2? Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est donner les meilleurs services possibles. Une des choses qu'on a faites, puis ça, les gens l'oublient beaucoup, hein, quand je parlais de mon chantier sur la fiscalité, il y avait un volet qui était important, qui était un volet des revues des activités de la ville, où on prend chaque service. On vient de terminer tout ce qui est collecte des ordures, résidus, etc., pour regarder comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut assurer le meilleur service possible, puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte de pouvoir rentrer dans les budgets qu'on a. Donc, on va le faire service par service, arrondissement par arrondissement pour pouvoir, nous, se serrer la ceinture. Mais vous êtes conscient qu'il y a un bout qu'on ne peut pas dépasser. Donc, il faut aussi, même si on absorbe le choc de l'inflation pour nos citoyens, il y a un moment donné où on va tomber en déséquilibre. Donc, et sur